Monsieur Pascal Bilenga Wa Mokoumadi, bonjour. Bonjour, monsieur Freddy Moulongo. Voilà, nous sommes ici en Suisse, à Vevey. Vous êtes le représentant des DPS en Suisse, dans ces pays. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces hold-up électoraux qui se passent en République démocratique du Congo, où on ravit l'élection au président élu, Étienne Tshisekedi Wa Mulumba? Oui, monsieur Freddy Moulongo, j'aimerais d'abord faire une déclaration. Et à l'issue de ma déclaration, nous pourrions engager une petite discussion pour essayer de clarifier cette hold-up, cette négation de droit, moi j'appelle. Si tu permets que je puisse faire ma déclaration. Allez-y. Donc, à tous les compatriotes, n'éteignons pas la flamme de la liberté. Voilà la réponse à la question que se posent plusieurs patriotes et combattants. Tshisekedi ne nous dira pas d'aller dans la rue, mais le fait qu'il s'est dit être le président élu par le peuple et par les urnes suffit pour comprendre que la lutte doit continuer, voire s'amplifier, et qu'elle ne doit pas affaiblir jusqu'à l'installation de ce dernier. Il n'y a pas un mot d'ordre particulier. Luttons avec notre sueur et notre sang. Seule voie qui libérera les Congolais de l'asservissement. Il y a dans les rues de notre ville de Kinshasa des meurtriers sous l'étiquette de la police nationale congolaise. Mais que cette présence ne puisse pas nous effrayer outre mesure. Soulevons-nous, récupérez les armes et tenues, combattez ces ennemis du peuple, comme nous l'avons eu fait en 1998. Les collabos doivent revenir à la raison. Peuple congolais, le monde nous regarde et nous soutient. Il attend de nous que nous fassions comme les autres nations libérées. Pour démontrer l'ampleur de la fraude, consultez les résultats de la circonscription de Malemba-Nkoulou, terroir de Tshisekedi. Kabila a été voté à 100% et Tshisekedi 0%. Y a-t-il encore un sens à donner aux résultats de Langoï-Moulouna? L'appel fait à la CPI n'est autre chose qu'un moyen pour nous faire taire et du coup légitimer les fraudes et Joseph Kabila. L'opposition n'a pas à introduire des réclamations à la Cour suprême de justice, structure qui voue son allégeance à Kabila. Donc, il nous reste qu'une seule alternance, c'est la rue, l'occupation des ambassades et enfin la formation d'un gouvernement issu du peuple, avec ses représentants à l'étranger. Nous profitons de l'occasion pour remercier de vive voix les Congolais de l'étranger, dont le droit de vote a toujours été bafoué. Les Congolais de l'étranger ont montré à la face du monde leur amour pour la mère patrie. Les manifestations que nous faisons en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Irlande, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et partout ailleurs à travers le monde pour défendre l'installation de l'État de droit au Congo par son digne fils Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, qui a été majoritairement élu comme président de la République démocratique du Congo. Ces manifestations, dis-je, vont porter leurs fruits. Nous terminons en pensant à tous les martyrs congolais tués pour avoir simplement dénoncé les fraudes électorales de la CENI, aux hommes, femmes et enfants congolais arbitrairement tués. Nous présentons nos condoléances les plus attristées. Et
l'État congolais ne les oubliera jamais. Salutations patriotiques. J'ai dit et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pascal Bilenga, porte-parole de l'UDPS ici en Suisse. Alors, d'abord, déclaration salami, mais tout, quand même, na Congo, Bazorozela, que va faire le président Étienne Tshisekedi au Salandine, au Lubani? Ndekolanga Freddy. Makambo esi ekomi ndenge balobaka na lingala ya bonsomi mumeteli. Président a sali déclaration à lobby que peuple. Et déclaration ezali juste parce que peuple moto a poni. Et loko etikali na biso tozela na président ezali gouvernement à mettre en place gouvernement na ba représentant ya gouvernement oyo bakoki ko solola na mindele oyo bakozala reconnu pour essayer d'isoler de plus en plus imposteur tozanaye ya Kabila Joseph oyo asengeli te akene parce que lelo bwine toko swano ande konanga Freddy Mulongo ba soldat oyo biso oyo totile motema oyo ba prêter serment po ete babatela yo na ngai ba futa mite 19 mois mobimba oyo ba fonctionnaire ufuta bango sima sanza misato nenge motema na elingi. Mais mbongo ya budget ya mboka akukamata yango po akende kozwa ya biso ba mercenaires na mbongo ya biso ya budget ya mboka baboma biso lisusu. Alors moto ndenge wana ndeko nanga fait tout ça, il faut abima mokano ezali akenda alongwa na mboka na biso. Donc objectif ya Kabila dégage, Kabila doit partir, ils a toujours maintenu malgré l'élection. Mais bien sûr, parce que moto mon côté nazi ko limbola na kat na déclaration na ngai na pèse exemple moko ndeko nanga Freddy Mulongo pour mon attaque ba trichaka mais ba tricher na ndenge moko ya mayele te ya bozo tala na mboka oyo ya président Tshisekedi balobi que Kabila azali na 100% alors que ye moko mokolo mboka 0% ndeko nanga nani aponi moto wana na mboka wana. Donc bazali ezali ndenge bazako etolobaka liseki bazako mona ngolo kwa liseki bazako sakana na peuple ya Congo. Donc moto motindo wana abima bakanga ye akine ya mwana tozako senga na ba ndeko na biso ya diaspora na peuple na biso azana Kinshasa totikate tobunda ndenge tosto bandi kobunda parce que mokili mumbeza kotala biso balini ko salisa biso ndenge bazo matche kobaluka mu ndeko na ngai mais il faut biso tolakisa que tolingi yete il faut akende mais sikoyo bakoti nzala na kati ya mboka po batu balobi ke congolais aosalaka ka deux jours soit manifester après fois malibanda po nzale leki mingi alors ba disposition ni idp sezui ba congolais bazui na niveau ya mboka pour que quand même ba manifestation continue ko salam. Mais oui, ndiko nanga Freddy Mulongo bango balobi to kokate na mikolo misato mais basi ba boma biso nzala banakala. Est-ce que peuple na biso yo so mon na zando moko bakendeke na mboka nini oyo otambuli na mputo mobimo otambuli na bamboka omona soso bakabolango na eteni mine to mitano et pa na biso basa kabolaka soso na eteni mitano fufu ezali po moto ali ya fufu face à la jeune prière donc bato basi ba mesen na nzala o wana ezali makambo baza koloba oyo bango bakanisi na motema na bango mais biso to sto lendi to telemi et biso to kosunga peuple na biso na moke moke ba combattant to kotindela bango frange ko wuta et pa na biso po ba telema koleka mikolo misato wana bango bazali koloba. Siko na moni na déclaration na yo ki pe au remercier ba patriote ya congolais ya étranger ponani. Na remercier ba patriote ya congolais ya étranger parce que bango baza ko sala pe mosala makasi. Awa poto mo masoko tamboli mulu bazali susute mo kongo azali te mo swahili azali te biso nyonso uni pona candidat moko ya mboka na biso. Ezali formidable et puis ba mindele ba dongolo miso pe bazako bango ba bi aboke ba mbalo yo ba twana ba telemi alors mosala ndengo yo ezali ko salema mikolo nyonso esengeli penza to pesa bango botondi mingi yango mwana declaration na ngai na bani ko felicite ba ndeko Pascal Bilenga porte-parole enfin président représentant IDPS en Suisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, papa, ezali que moto to pelisito tikate bandeko nangai. Mbala oyo bakoyi babiso victoire te. Mboka wana ezali ya ngai ya Freddy ya Tshisekedi ya bato oyo bazali ba congolais. Moto wana kabila azali munguna. Lobi ba mindele ba lobi na ba télévision na bango que ba uti soko na ba mama ne tuti et pas mosusu na ba Tanzanie. To bengana ye abima. To lembate to bimana babala te munguna akozonga et pas ya uti. Yango wana omoni ndenge toza ko skande partout na mona te ya titi zongisa na wana. Il faut akene na wana ndenge biso to lobi parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oye lobami na se yango lobami likolo. Nzambe akosunga biso na makasi na biso kabila e fwa kende azali mokali. Ndeko Pascal Bilenga, représentant de l'IDPS en Suisse, je vous remercie. Mais ngai pe lokola, merci ndeko nanga Freddy. Merci. Merci.